on fait toujours une barre, la barre, vous savez, c'est un exercice où on se tient, on fait les assouplissements avant de danser en scène. Et lui, on lui reproche quelquefois, il arrive en scène et il part comme une fusée et vas-y. Oui, il me fait mourir de rire. Ça, pour vous passer le trac, il est formidable. Donc on sort. Alors tout le monde y croit que le pas 2, il est fini. C'est ça la scène. J'ai une totale confiance en Patrick. Au niveau partenaire, j'ai une totale confiance. On est habitués maintenant à danser ensemble. Vous savez, le premier souvenir que j'ai de Patrick, notre premier gala, je devais être sujet, et on dansait à Biarritz, et nous n'avions pas répété. Et bon, là, j'étais très inquiète, c'était mes premiers galas, et en plus avec Patrick Dupont, vous imaginez. Et Patrick a raté son avion. Et Patrick est arrivé juste pour le lever de rideau. Et il est arrivé en scène, il m'a dit... Bon, écoute, moi je suis crevée, faut que j'aille dormir, faut que j'aille me raser. Et il est parti, il est arrivé vraiment pour le début du pas 2. Et il m'a tout soufflé en scène. Alors à partir de ça, bah, écoutez, maintenant, ça va quoi. Je suis là dans Don Quichotte, dans l'adage, pour briller bien sûr de mon côté, mais surtout pour elle, la faire briller, pour être derrière ou à côté. Mais chaque mouvement, chaque port de bras, chaque port de main est une invitation à la faire briller. C'est comme le toréador qui couche sa cape par terre pour que sa belle puisse passer dans la boue. C'est un pas de deux où il doit y avoir une complicité physique telle entre le danseur et la danseuse qu'à la limite, on n'a pas besoin de se regarder pour être sûr que la danseuse est bien en avant, qu'elle est bien en équilibre, qu'elle est bien placée. Elle doit se sentir appuyée, portée, stimulée et en même temps mise en valeur parce que elles aiment quoi nos partenaires? Elles aiment avoir l'air légère, elles aiment briller, elles aiment être dans la lumière. La principale qualité de Patrick, c'est qu'il a une énorme générosité vis-à-vis de sa partenaire
Et il y a cette espèce d'instinct animal. Et ce que j'aime beaucoup chez un partenaire, chez un danseur, c'est d'avoir, bien entendu, il y a tout un travail aussi cérébral, mais il y a aussi quelque part quelque chose qu'on n'arrive pas à définir, c'est l'instinct. Cet instinct qu'il y a en scène quand cette façon de se multiplier, et ça c'est assez étonnant. Quand on danse avec lui, c'est vraiment une osmose, c'est vraiment un regard plongé dans l'autre, dans le regard de l'autre. Et ça, c'est important. On l'a pas avec. C'est quelque chose qui est très précieux. C'est pas quelque chose qu'on a avec n'importe quel partenaire. Bon, c'est aussi parce que on se connaît très bien, mais Patrick est spécialement comme ça. Il est profondément généreux dans sa danse et comme dans la vie d'ailleurs. Je suis toujours heureuse de danser avec lui, même si je suis un peu en danger. Entre guillemets, par rapport aux répétitions, je sais que toujours il y aura un miracle qui fera qu'en scène, il se passera quelque chose de très profond et de très, très précieux. Lui a particulièrement cette façon de donner des contrastes dans sa danse par rapport à la musique. C'est ça qu'on appelle la musicalité. C'est même pas d'être en mesure, c'est d'être musical.